Encore des impros, oui je sais, on change l'intro parce que l'autre commençait à me faire chier. Voilà. Comme vous voyez, c'était un pouce. J'ai pas bien vu. Ouais, c'était un pouce. Très bien. Du coup, comme d'habitude, tirage au sort, tout ça, pour les personnes qui vont jouer, pour la situation et la contrainte. Voilà. D'autres choses à dire? Voilà, très bien. De l'autre sens. Bon ben tu vas jouer une deuxième fois. Xélina, mais du coup tu veux changer de nom? Donc... Non, on s'en fout pour l'instant. Bah je vais pas changer de nom tout de suite, mais oui je compte reprendre. D'accord. Un autre nom, effectivement. Et avec Xélina, Boréal. Qui est notre beau réalisateur. J'ai fait littéralement la même vanne sur une des dernières impros. Ah. Situation, t'as la contrainte? C'est pas con. Ouh. Ah, bah si c'est celui que je pense, on est mal barré. Alors, on est à la kermesse d'une école. Oh. Et l'un d'entre nous pense être une voiture. Oh, yes. Allez, viens mon chéri, viens. C'est ta maîtresse là-bas? Ok. Oh, t'as vu? Ils ont fait vraiment des choses super cette année. Là. T'as vu? Non. Excusez-moi, c'est... Quoi, ça? Excusez... T'en fais pas, c'est Thierry. Il se prend pour une voiture. Faut pas chercher. On a notre quota pour l'année, mais on n'a pas choisi le meilleur. Mais ça suffit! Et il se prend pour une voiture du genre... Là, on est plus sur une Renault 25. Oh la vache. Bon, viens. Il y a des super manèges, mon chéri. Tu veux faire la pêche au canard? Allez, fais la pêche au canard. Tiens, bois. Ah, c'est peut-être une Renault 25 avec un turbo, alors. Ah oui. Mais en fait, il lui est arrivé quelque chose à ce pauvre homme. Une sombre histoire de drogue. Ah oui, il s'en est jamais remis. Et il est toujours dedans. Ah, il est encore... C'est ça qu'il le fait prendre pour une voiture? Oui. Ça dure depuis longtemps, ouais. Je l'ai jamais vu à l'école. Il a 18 ans. Il a des enfants ici ou... Oui, 8. Et ses enfants, ils vont bien? Tu sais, c'est Mercedes, Mégane... Zoé... Oui. Ouais, d'accord. Je l'ai trouvé un petit peu, enfin j'ai essayé d'aider la maman, mais je comprends mieux pourquoi elle a besoin d'aide. Oui, Madame Safran. Ouais. Je n'ai jamais vu du coup le papa, mais comment on peut trouver le temps de concevoir des enfants en se prenant pour une voiture? C'est... Écoute, la mécanophilie. Ah oui, c'est ça. Exactement. Bon, t'as fini ta pêche au canard? Ouais, t'as gagné un Superman! Mais c'est super! Allez, viens. On va rentrer. Bon courage, hein. On tourne dans le bureau, hein. Oui, merci, monsieur le directeur. Subscribe, motherfucker.